Elvis, qu'est-ce que ça signifie? Que signifie quoi? Tu sais que je prépare, mais tu t'es permis de manger ce que je ne t'ai pas du tout donné. Chloé, c'en est vraiment arrivé jusqu'au point où je ne peux plus rien faire dans ma propre maison? Que je ne peux plus manger ce que je vais manger? Elvis, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Quelle offense ai-je commis pour t'avoir épousé? Pourquoi? Attends. Donc, tu continues de penser au mariage? Tu penses toujours au mariage dans ta tête? Écoute, ceci n'est pas un mariage, oh. Sache que moi, je considère ceci comme une simple amitié. Toute chose dans ce mariage est invalide. Va checker ça. Elvis! Elvis quoi? Moi, je ne suis pas marié. Tu n'arrêtes pas de raconter à tout le monde qu'on est marié. Arrête de faire ça. On n'est pas marié. On est colocataire. Nous cohabitons ensemble. Nous partageons cette maison ensemble. Quand tu seras fatigué, tu pourras partir. Et quand je serai, je prendrai également mes affaires et partirai de cette maison. Oh! S'il te plaît, bébé. Bébé quoi? Bébé, ne nous fais pas ça, s'il te plaît. Oh, je t'en prie. Ce que je veux, c'est le temps. Bien, est-ce que je peux au moins prendre mon petit déjeuner à l'aise? Je t'en prie. Oh. Tu n'es pas gentil. Tu agis mal, Elvis. Oh, donc c'est moi qui agis mal maintenant. Hein? Ok. S'il te plaît, donne-moi juste quelques temps. Chloé, tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin. Tu n'as pas cessé de dire ça depuis les premiers jours où on s'est mariés. Donne-moi du temps. Là, tu as tout le temps. Je ne veux même pas de toi. Je ne veux plus de toi, oh. Quoi? Toi? Ha! J'en ai fini, oh. Je ne veux plus de toi du tout. Oh. Elvis, es-tu en train de Non, dire... c'est bien à toi que je dis cela. Je ne veux plus de toi. Je t'en prie. Hein? Utilise ton corps pour toi-même. Tu peux même coucher avec toi-même. D'ailleurs, va voir ton ex. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que tu restes ici. Va le voir, laisse-le te satisfaire. Je ne veux plus de toi du tout. C'est clair? Laisse-moi manger en paix. Allô, maman. Bonjour, mon fils. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Comment vas-tu avec papa? Nous allons bien. Alors, comment va ma belle-fille? Elle va bien. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, vous ne nous donnez pas de bonnes nouvelles. De quelles bonnes nouvelles es-tu en train de parler, maman? La grossesse, bien sûr. Maman, pourquoi es-tu en train de parler d'une chose comme celle-ci? Elle n'est pas toujours enceinte. Maman, si elle l'était, je serais venu te le dire moi-même. Je vais venir dans ce cas. Quoi? Maman? Maman? Oh. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Oh. Hé, hey, salut, oh. Maman. Ma fille, je vais bien, merci, maman, bienvenue. Oui, ça fait vraiment longtemps. Oui. Maman, comment va tout le monde? Tout le monde va bien. Comment va papa? Papa va bien, regarde-toi, tu m'as manqué. Tu m'as aussi beaucoup manqué. Bienvenue, maman. Tu rayonnes toujours. Maman, que je t'apporte quoi? Du jus ou de l'eau? Je n'ai besoin de rien, dis-moi, comment va le bébé qui est dans le ventre? Maman, je ne suis pas enceinte. Salut, maman. Salut, maman. Pourquoi vous mettez du temps pour avoir les enfants? Maman, on vient à peine de se marier. Arrête de mettre la pression. Pourquoi t'attends-tu tant à cela, maman? Ça fait déjà 6 mois. Et 6 mois est vraiment beaucoup pour qu'elle puisse concevoir. C'est quoi le problème? Maman, désolé de te décevoir. Hé, arrête. Mais pourquoi tu t'excuses?
Comment est-ce que deux adultes peuvent vivre ensemble et n'arrivent pas à concevoir? C'est parce que tu voyages beaucoup, tu es dans un pays ou dans un autre. Non, maman. Tu n'as pas de temps pour ta femme. Maman, tu t'imagines des choses, ce n'est pas vrai. Alors, dis-moi si j'ai tort. Maman, pour être honnête, il n'a jamais voyagé depuis qu'on est mariés. Il est toujours ici. C'est vrai. Donc, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas entre vous deux. Tous les deux, vous devez être examinés. Comment est-ce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant? Vous devez aller à l'hôpital parce que je n'arrive pas à comprendre. Ça n'a plus de sens. Je vais appeler le docteur aujourd'hui même pour qu'il puisse vous examiner. Ce n'est pas normal. Maman, vous ne pouvez pas vivre ensemble et me raconter des histoires à dormir. Maman, c'est bon, ok? Je vais m'occuper de ça moi-même, d'accord? Je t'en prie. Non. J'ai pas envie que tu le fasses. Je le ferai personnellement. J'ai vraiment besoin des petits-enfants qui seront là en train de jouer partout et me poser tant de questions. Vos histoires-là ne m'intéressent pas. Maman... Bébé, essayons encore une autre chance. Chloé, je ne me suis pas mariée à toi pour que toute ma vie je fasse des essais qui ne valent rien du tout. S'il te plaît, ça peut marcher. Regarde-toi. Peux-tu m'écouter, s'il te plaît? Tout ce que je vois n'est que la peur. La peur. Rien que la peur. Bébé, je suis prête. Non, tu ne l'es pas. C'est vrai, je suis prête. Chloé, peux-tu, s'il te plaît, juste aller au lit, rester de ton côté du lit et dormir, et prenons juste, dormons chacun de différents côtés, je t'en prie. Bébé, tu sais qu'on doit tout faire pour que ça marche, n'importe comment. Chloé, je ne suis vraiment pas prêt de me mettre en position d'être une proie d'une simple trouillarde enragée. S'il te plaît. Elvis, c'est ce que je suis. Excuse-moi, va au lit. Je travaille. Je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Comment oses-tu? Comment oses-je quoi? Sais-tu ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Chloé? J'en ai pas besoin. Attends, que veut dire si tu n'en as pas besoin? Pourquoi m'as-tu épousée alors dans ce cas? Si tu ne voulais pas que je te touche, pourquoi m'as-tu épousée? Bébé, s'il te plaît, essaie de comprendre. Comprendre quoi? Je ne t'ai pas épousée pour être ma petite poupée. Et tu es une poupée? Tu es ma femme. Je ne peux même pas te toucher. Quelle merde est ça? Je t'ai touché parce que tu étais près de moi et voilà que tu te plains de toutes choses. Je t'ai touché, je t'ai caressé, mais tu ne voulais même pas que je sois proche de toi. Quel genre de mariage est ça? Oh, s'il te plaît. Chloé. Bébé. Est-ce que tu as un problème médical quelconque? Non. Alors, quel est le problème? Pourquoi ne puis-je faire l'amour à ma femme? Pour rien du tout. Pour rien, non. Il y a quelque chose, ça ne peut pas être rien. Tu ne peux pas te comporter de la sorte juste pour rien. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien de mal avec moi. Il n'y a rien de mal avec toi.
Donc tu t'es juste réveillé un bon matin et t'es décidé que c'était une grave erreur de te marier avec moi. Elvis, s'il te plaît, arrête. Non, non, toi, arrête ça. Arrête ça, arrête de me mentir, ok? Je veux la vérité. Qu'est-ce que c'est? Je n'aime pas juste que tu me touches. Oh. Elle n'est juste pas confortable quand je la touche intimement. Non, Chloé, dis-moi un peu. Comment veux-tu que je puisse vivre avec une femme? Une femme qui se fait appeler ma femme, sans même que je ne puisse la toucher. J'ai besoin de quelque temps. Très bien. Te donner quelque temps. De combien de temps exactement as-tu besoin? Je pense quelques jours. Tu penses? Donc tu penses quelques jours seulement. Mon fils, merci. Que Dieu te bénisse puisque tu es revenu à moi. Maman, je suis fatigué. J'en ai vraiment marre. Tu dois faire quelque chose, maman. Je ferai quelque chose. Ce sont les œuvres de mes ennemis. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à faire échouer le mariage de ma fille. C'est pourquoi ils veulent te frustrer, pour que tu renvoies ta femme. Ça ne marchera pas. Jamais. Penses-tu que tout ceci est vraiment spirituel? On les connaîtra par leurs fruits. Tu dois d'abord savoir que c'est un combat. Et je dois remporter ces combats. Je dois les remporter, mon fils. Bébé, quoi de neuf? Bienvenue, chérie. Arrête, mauvais garçon, ne me touche pas. Je le ferai si je pouvais, bébé. Quoi de neuf? D'où viens-tu? Hey, bébé, voilà un peu sec que je viens de me faire. Tu vois? Je suis navrée. Non, c'est bon. Ça, c'est la beauté. Ouais, je sais pas comment dire, mais juste que j'ai partagé un verre avec Elvis aujourd'hui. Oh, parlons d'Elvis. Oui, comment il va avec mon ami? Ton ami, c'est très bien ça. Ok. C'est bon. Quoi de neuf chez toi? Tu parais bizarre. Hein? Vraiment? Mm-hmm. Bien, c'est parce que tu m'as beaucoup manqué, bébé. Oui, c'est vrai. Mais nous étions ensemble le dernier week-end. Le week-end dernier, c'était juste ennuyeux. Oui, c'était juste ennuyeux. Excuse-moi. Je ne fais que plaisanter, bébé. Est-ce que je peux goûter un peu à ce que non. tu manges là? Bébé! Non! Non! Ça, c'est gentil, bébé. Merci, bébé. Merci. De rien. Et qu'as-tu prévu pour aujourd'hui? Rien de spécial. Tu vas sortir? Non. Donc nous avons tous les temps pour nous deux. Ça veut dire quoi ça? Oui, bien sûr. Maman! Bébé! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne comptais pas vraiment lui dire, mais c'est juste passé. As-tu perdu? Tu n'as pas menti! C'est très spirituel! Nous devons le prendre avec beaucoup de sérieux. Chloé, mets-toi! Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir ce qui se passe? Le pasteur sera ici bientôt. Maman, puis-je t'aider à monter tes valises là-haut? Non, merci. Chloé, viens te mettre ici. Le pasteur arrive déjà. Maman, quel pasteur? C'est lui qui va dire la prière, bien sûr. Oh. Maman, je ne sais pas pourquoi tout ça. Et je ne permettrai pas que cet homme vienne dans ma maison.
parce que je n'accueille pas de visiteurs indésirables. Et tu l'as fermé? C'est du pasteur que tu parles comme ça? Chloé! Quelle Chloé? Chloé! Tu me donnes le dos? Ok, bien, on verra. Maman? Bébé? Le pasteur, il a été amené à m'a demandé de venir te chercher. Je lui ai déjà dit que je ne suis pas intéressée. Bébé? Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Bébé, tu sais que c'est pour ton bien. Qu'est-ce que tu es vraiment en train de faire? Pourquoi tu me traites comme une personne possédée? Écoute, je suis désolé que tu puisses mal prendre cela, mais ta mère pense que ceci est la meilleure façon de te sortir de cette situation. Bébé, pourquoi tu t'es d'abord parti chez elle? S'il te plaît, bébé, je t'en prie, allons vite les voir. Tu as besoin d'aide. Le plus tôt on aura fini avec ceci, mieux ce sera pour nous deux. Alors je t'en prie, suis-moi tout de suite, ta mère est là et elle t'attend. Alors, pasteur, c'est ça le problème. Oh. Le Dieu en qui j'ai mis ma confiance est fidèle. Oui. Il ne laissera pas mes ennemis triompher sur moi. Ils seront exposés. Tout le plan qu'ils essaient de mettre en place sera anéanti. C'est déjà fait. Oui. Oui. Oui, maman, je t'ai entendu parler. Mais de toutes les façons, je voudrais voir la dame. Où est-elle? Ok. Elvis. Maman. Où est ta femme? Elle va descendre dans quelques minutes. Ok. Oh, d'accord. Attendons-la, pasteur. Okay. Ok, d'accord. Ok, d'accord, je te comprends. Mais non, allons la voir. Oh, oui. Ok. Je suggère qu'elle ait 7 le jours gène? De... non, de consultation médicale. Comme commencement... S'il vous plaît, pasteur. Pourquoi pas le jeûne à la place de ça? Vous voyez, ça c'est plus physique que spirituel. C'est physique? Comment une femme veut se battre avec son mari en utilisant toute forme d'arme juste parce qu'il veut accomplir son devoir conjugal? Vous voyez... Avec la discussion que nous avons eue, je compris que ça c'est un problème plus psychologique qui devait être premièrement traité avant toute chose, avant même la prière. Pasteur, ne vous laissez pas tromper, oh. Nous devons attaquer le diable. Le diable? Oui, le diable essaye de vous méconduire. Vous êtes supposé prier et non parler. Maman, ça c'est plus physique. Spirituelle. Après ici, elle doit aller voir un thérapeute. Je sais de quoi je parle. Pasteur, je suis totalement déçu par vous. Moi? Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Mettons de côté le combat spirituel. Vous voulez dire que vous n'avez jamais expérimenté ces choses? Maman, je sais de quoi je parle. Je suis sûr de ce que je dis. Pasteur, ça paraît plus fort que vous. Vous pouvez partir, hein? Je vous comprends. Nous vous comprenons, d'accord? Maman, je pense que l'homme de Dieu a totalement raison. Mmh. Il a raison, hein? C'est le diable qui parle en vous, pasteur. Non. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les tenants ou les aboutissants? Mais maman, je sais de quoi je parle. Je suis sûr de ce que je suis en train de dire. Ok? Pasteur, vous pouvez partir. Partez! Okay, charlatan! Dis n'importe quoi! Maman, avais-tu dit que cet homme était un pasteur? Oui, oh! Oui, oh, tous ces hommes qui se promènent avec leur grande Bible sous leurs aisselles, ils ne connaissent rien, rien du tout! Mais, maman, je sais que je ne peux pas porter une église sur ma tête comme toi. Mais je ne peux pas traiter un homme de Dieu comme tu viens de Ferme le faire. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu connais? Vous savez quoi? Je vais vous ramener cette fois-ci un homme de Dieu qui est très puissant. Non, maman, s'il te plaît. N'emmène plus un autre pasteur dans ma maison.
Allons les voir. Je n'irai pas quelque part avec toi. Tu plaisantes. Hey! Esprit! Esprit, c'est... Hey! Hey! Mister Kara! Hey! 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 Le feu! Esprit, c'est... Abba! Osina! Mister Costa! Osina! Délivre-le! Osita! Hey! Olisita! Elibaka! Hoy! Hey! Esprit! Amen! Esprit! Amen! Saint! Amen! Saint! Amen! Ouh! Esprit! Osita! Amen! Saint! Amen! Amen! Esprit! Esprit! Amen! Esprit! L'esprit! C'est un combat des esprits! Tu as un mari de nuit! Prophétesse, vous avez raison! Ha! Eli, kissi! Où ça là? Hey! Eli! Esprit! Saint! Hey! Pour te séparer avec ton mari de nuit. Hey! Où serez? Où? Vous devez acheter 5 paquets de bougies blancs. Ouka! Un carton d'allumettes. Deux grandes bouteilles d'huile parfumée. Holy Sita! Heli! Uta! Hala! Ila! Uta! Hala! Heli Kwasula! Un gros bassin. Et aussi 5 savons blancs. Oui, prophétesse, j'en donnerai tout. Et une somme de 100 000 naira. Pour recevoir les bénédictions de la prophétesse. Prophétesse, je ferai comme vous avez dit. Oulikaziza! Eli! Oula! Oula! Elikaziza! Eli! Elikaziza! Ouh! Eli! Amen! Eli! Amen! Outa! Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il dans ma maison? La prophétesse. Prophétesse? Non, ça ne sera pas possible. Chloé, qu'est-ce que veut dire ceci? Non, maman. Comment te poses-tu aux instructions de la prophétesse? Quelle prophétesse? Heli! Amen. Abba! Tu m'as demandé pardon. Abba! Maintenant. Heli! Maman, je ne m'excuse auprès de personne. Ça, c'est ma maison. Je ne peux pas tolérer un étranger de passer une nuit chez moi pendant 7 jours. Allez, et c'est mes cas. Aussi, allez. 7 jours d'affilée. Oui, prophétesse. Fille de Sion. Oui, prophétesse. Allez. Maman, elle est en colère. Elle est claire qu'elle ne veut pas de ça. C'est comme ça que le diable manipule les gens pour qu'ils ne soient pas délivrés ni sauvés. C'est son mari de nous qui parlait en elle. T'occupe pas d'elle. Hey. Maman, es-tu sûre de tout ceci? Es-tu vraiment sûre de tout ceci? Tu aurais dû être convaincue maintenant. Tu es en train de me poser de questions. Fournissez tout ce qu'elle vous a demandé. Je vais avoir mes petits-enfants maintenant, après 9 mois. Amen.
n'est-ce pas qu'ils ont fait de trop là? Reste concentré. Ouda, Osia. Maman, dis-lui. Allez, arrête. Tu peux t'élever maintenant. Plus aucun mari de lui ne pourra s'approcher de toi après ça. Amen. Amen. Je vais maintenant aller dans ma chambre. Merci beaucoup. Gozi. Madame. Viens ici. Madame. Amène la prophétesse dans sa chambre, s'il te plaît. Non. Pourquoi? Abomination. Après ce genre d'exorcisme, je ne peux être conduite par une femme. Ok. Elvis. C'est un homme qui doit le faire. Ici, par exemple, c'est l'homme de la maison. Hey! Laissez là. Elvis, amène-la dans sa chambre. Hey! Amène-la dans sa chambre, s'il te plaît. Ah bah. Vas-y avec elle. Ok, prophétesse, je vous emmène dans votre chambre. Prophétesse. Ok, très bien. Prophétesse, par ici, s'il vous plaît. Oui, par ici, s'il vous plaît. C'est l'esprit qui agit. Allez. Alléluia. Alléluia. Merci. Hey. Ellie. Amène-la dans sa chambre. Ma fille. Maman, tu es contente maintenant? Ça ira. Ça ira, t'inquiète. Je suis très contente. Madame, vous m'avez appelée. Qu'est-ce que tu attends ici? Ok, madame. Prends ce seau, allez, va-t'en. Pars d'ici. Vite. Jéhovah, s'il te plaît, donne-moi cet homme. Je vais vous aider à ouvrir la porte. Il est très beau. Cet homme doit être bien. Bien, voici votre Dieu chambre. Merci, je réussis à les convaincre de me laisser vivre dans cette maison pendant 7 jours. Y a-t-il quelque chose qui vous dérange? Je dois rentrer ces jours. Tout va bien? Vénérable Seigneur. Ok, faites comme chez vous en tout cas. C'est votre chambre, voilà. Waouh. Très bien, cette je crois voix que tu vas. Excuse, je vais mourir. Je dois avoir cet homme. J'aimerais prier pour toi. Priez S'il pour te moi. Plaît, laisse-moi prier pour toi. Priez pour moi? Oui. Prophétesse? Le feu. Le feu! Du feu, ok. Le feu! Le feu, ok. Le feu. Cette maison est très belle. Ah! Pourquoi cette femme fouille cet homme? Ah! Cette fille doit vraiment être possédée pour refuser à ce bel homme de les toucher. Ouh! Comme j'aimerais être dans ses bras! Aïe! Oui? Oui! Qui est-ce? C'est moi. Prophétesse, je sais que vous aurez besoin de ça. C'est pourquoi je vous les ai apportés. Que Dieu te bénisse, fille de Sion. Amen. Merci beaucoup. Prophétesse, je vous laisse maintenant. Merci. Profitez bien de votre repos. Je peux fermer la porte? Ok, excusez-moi. Wow. Chloé m'a gardé ce secret. Je pense que tu devrais leur rendre visite. Non, bébé. Merci. Je ne veux pas interférer dans les affaires de mariage d'une autre femme. Si Chloé a réellement un problème et elle ne veut pas le partager, nous n'avons qu'à l'ignorer. Mais tu connais ton amie. Elle n'est peut-être pas trop à l'aise à partager. Et tu connais les femmes. Avec les problèmes sensibles ces jours-ci,
C'est pourquoi je dois rester dans ma maison et prétendre de ne rien appris. Ok. Avec tout ce que je traverse ces jours-ci, je ne sais pas si je pourrais faire le mariage. Alors j'aimerais que nous puissions attendre un peu. Hey! Abou? Oui? C'est pourquoi tu as des réactions très étranges? Je ne t'ai pas entendu parler de ça. Tu sais? Non, pas du tout. Il s'est fait tard. Je crois qu'il est temps pour toi de partir. Attends. Donc tu me chasses de ta maison? Oui. Je ne vais pas crier et commencer à dire pourquoi tu as fait ça. Donc tu ne me fais plus confiance, c'est ça? Nous ne sommes pas sur la même page. Tu as déjà pris un écart de 6 niveaux à partir d'où je suis. Les femmes, juste à cause d'une petite dispute comme ça. Tu les prends à la légère. Mais allez, ne fais pas ça. Hein? C'est bon. N'aggravons pas les choses, ok? D'accord? Laisse-moi. Mais c'est quoi? Vous les femmes, pourquoi vous êtes comme ça? Mais arrête de te fâcher comme ça, ma chérie. Hein? Souris-moi un peu, s'il te plaît. Oh, frère Elvis. Prophétesse. Oh! Prophétesse. Oh! Oh! Vous allez bien? Prophétesse, prophétesse. Prophétesse. Qui? Prophétesse, êtes-vous sûre que vous allez très bien? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous... Mais c'est quel genre de bêtise comme ça? Cette femme, n'est-ce pas qu'elle est une prophétesse? Frère Elvis, tu dois prier. C'est comme si... C'est pas les moments de regarder le football ou les films. Tu dois faire appel au Saint-Esprit. Le diable est un voleur. Il rôde, il cherche partout. Il cherche qui dévorer. Qui dévorer? Oui, tu dois te mettre à la prière et faire appel feu, au Saint-Esprit. Feu, le feu, feu, le feu. Esprit, oui. Esprit, Esprit. Amen. Le feu. Amen. Le feu. Esprit Saint. Amen. À genoux-toi. On prie à genoux. Quoi? Ici, ici, ici. Maman. Abba. Mais. Olé. Mais. Olé. Elle. Elle. Ici. Amen. Hey. Toi, hey. Va appeler ta madame. Hey. Non, madame, s'il te plaît. Non. Non. Madame, arrête, s'il te plaît. Cette prière est uniquement pour frère Elvis. Hein? Si c'était pour tout le monde, j'allais vous appeler depuis. Désolée, prophétesse, désolée. Tu veux gérer ces problèmes à ta manière, n'est-ce pas? Parce que je sais que dans peu de temps, tu iras appeler ta fille pour qu'elle vienne ici. Frère Elvis, tel qu'il est là, cet esprit est en train de le combattre. Et c'est partout. C'est cet esprit qui invite ta fille, sœur avec quelqu'un, mari de lui. Oui. Donc tu dois être loin quand je prie pour lui. Je suis très désolée. Désolée, prophétesse. D'ailleurs, je ne le ferai plus. J'arrête de La prophétesse. Tu es venue tout gâcher. Je suis désolée. Hein? S'il vous plaît, venez prier, non? Désolée. Pourquoi tu es venue? Hein? Prophétesse, je suis désolée, oh. Je suis désolée. Pardonnez-moi, je ne le ferai plus. Prophétesse, venez prier, s'il vous plaît. L'homme de la maison. Elvis? Ouais. Je ne fais ce repas pour toi. Oh, ouais, vraiment? Rien que pour moi? Waouh, ça a l'air bon. Oh. Prophétesse, prenez place. Merci. Onyozi. Merci, madame. Okay. Elle vient vous servir, prophétesse. Merci. De rien, monsieur. Gossé, s'il te plaît, sers la prophétesse. Oui, emmène-lui la nourriture. Ah, madame, la nourriture est finie. Oh. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dit qu'il n'y a plus de nourriture. Oh. Hein? Gossé. Seigneur. Madame, est-ce qu'il y a, ça ne va pas avec toi ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Madame, il n'y a rien de mal avec moi, ça va bien. Alors pourquoi est-ce que tu veux blaguer avec moi? Mais madame, c'est une prophétesse. Moi, j'ai pensé qu'elle allait jeûner. Jeûner? Tu es sérieuse? Mon Dieu. Ah, Oga, n'est-ce pas qu'elle doit jeûner en tant que prophétesse? Mais tu fermes ta bouche, stupide. Ngozi, madame, ne vous fâchez pas. Moi, j'ai pensé qu'en tant que prophétesse, elle n'allait pas manger, elle allait jeûner aujourd'hui. Voilà pourquoi je n'ai pas laissé de nourriture pour elle. C'est Ngozi. Madame, change ces sujets. Vous savez quoi? Ok, prophétesse, je suis sincèrement désolé.
Prenez juste le mien. Oh non. Non, c'est bon. Je vais me débrouiller avec elle. Ne vous en faites pas. C'est mon frère et l'autre. Je vous en prie. S'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Nous sommes vraiment désolés. Voilà, prenez. Prenez cette assiette. Mangez ce que mon mari a donné, s'il vous plaît. Ouais, voilà. S'il vous plaît, prophétesse. S'il vous plaît. Viens nous comprendre. Oui, voilà. Hein? Je peux partir. Que je fasse quelque chose pour Oga. Très bien, merci. Oui, fais pour lui quelque chose. N'importe quoi. C'était ma maison, hein. J'allais lui faire du mal aujourd'hui. Elle me nerve vraiment. Ngozi, fais-moi quelque chose de bien, ok? Ok. Frère Elvis. Bonjour. Bonjour. Ouais. Es-tu prêt pour aller au travail? Oui, je vais déjà au boulot. Ah! Oh! Oui. Est-ce que ça va? Oh! Oh! Ah! Prophétesse. Frère Elvis. Oui. Permets-moi de prier pour toi. Laisse-moi te bénir avant de partir. Ok, très bien. Prions. Ok. Tu dois me donner tes mains. Ok, d'accord. Donne-moi tes mains. C'est une pratique du christianisme. Donc, peu importe ce que je ferai, juste crois. Ok. J'aimerais coller ton corps avec le mien et te toucher. Ok. D'accord. Aïe. Ouais. Le feu. 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 Esprit, 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 esprit. Le feu. Juste crois. Crois. Ah. Prophétesse. Frère Elvis. Prophétesse. Prophétesse. S'il vous plaît, retirez-vous, je vous en prie. Le feu. 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 Mon Dieu. Prophétesse. Prophétesse, est-ce que ça va? Levez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Allez. Prophétesse, vous devez vraiment vous contrôler là. Prophétesse, c'est incroyable. Doucement, calmez-vous. Oui. C'était l'esprit, hein. Oui. C'est bon, du calme. Asseyez-vous, asseyez-vous. Elle a vraiment l'air exténuée. Oui, frère Elvis, je suis vraiment fatiguée. Je suis exténuée. Amen. Esprit. Amen. Esprit. Amen. Il est ici, il est là. Aïe, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Fille de Sion, cet homme ne doit pas dormir dans la même chambre avec ta fille. Jusqu'à ce que l'exorcisme sera fini. Oudisika, oubinike, ilisika, ilisika, oubinike, ilisiki, oura, ilisiki, oure, ouba. Prophétesse, où est-ce que mon beau-fils va commencer à dormir dès maintenant? Il peut aller dans n'importe quelle chambre. Ou si ilisika, ilisika. Mais ils ne doivent pas dormir ensemble la nuit. Leur corps est maintenant pour la préservation. Onas, Koli, Onas, Onas, hey. C'est ce que dit l'esprit. Ok, prophétesse. Nous ferons exactement comme vous venez de nous instruire.
Henley! Jay, regardez ces beaux garçons. Un homme beau. Donc, c'est ces beaux garçons que la prophétesse veut sauter sur tant qu'elle veut me le ravir. Je ne lui donnerai pas cette chanson. Pas du tout. Je ne la laisserai pas. Hey, qu'est-ce que tu veux? Au gars, j'allais juste... La nourriture est prête? Oui, oui, monsieur. Ok, merci. Je t'ai entendu. Ok, Oga. Quoi? Je veux dire, est-ce que je peux attendre ou partir? Oh, la nourriture est prête, mais tu veux savoir si tu peux rester ou tu peux partir? Oui, monsieur. Viens te coucher ici. Voilà qu'elle vient aussi se coucher. Non, mais tu es normal. Va-t'en. N'importe Oga. Quoi. Dehors. Quelle insolence. Qu'est-ce qui se passe au juste dans cette maison? Prier pour le mal ou prier contre le mal. Ou prier pour inviter le mal. Je ne sais même pas lequel. Tu m'as fait beaucoup attendre. Je suis là pour toi, bébé. Désolé de t'avoir fait attendre. Mais je suis là pour prendre soin de toi, bébé. Oh, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Non, je ne te laisserai pas partir. Tu ne vas pas me laisser. Non, reste. Reste, frère Elvis. Non, ne pars pas. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Avant de partir, s'il te plaît. Allez, fais-moi un baiser. Allez, frère Elvis, je suis là. Ah. Arrête. Frère, qui est-ce? Qui est-ce? Qu'est-ce que tu veux? J'arrive! Sorcière. Oh mon Dieu, donc c'était juste un rêve. Je dois faire en sorte que ça devienne réel. Je dois tenter ma chance. Oh, Elvis, je t'aime. Oh, il est très mignon. Hé, s'il te plaît, s'il te plaît. Où est ton patron? Ah, pourquoi tu me poses cette question? Mais il est avec sa femme là-bas, non? Va l'appeler. Dis-lui de venir dans ma chambre. L'appeler à 7h. Pour faire quoi dans ta chambre maintenant? Ne questionne pas l'esprit. Va faire ce que je t'ai démontré. Arrête avec tes histoires d'esprit, esprit, esprit. Arrête. C'est comme si tu as un problème, oh. Pourquoi tu me dis d'aller appeler au gars à 7h pendant qu'il est avec sa femme? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît. Comment est-ce que je vais posséder? Pas ça. Non, ne commence pas. Ne commence pas. Ne commence pas avec tes... Arrête de nous tromper avec ton esprit, là. Arrête, s'il te plaît. Oh. Ok. Je t'aurai. Je te connais. Sorcière. Esprit. Amen. Esprit. Amen. Esprit. Amen. Amen. Esprit. Amen. Oh,
Una skata, siki siki. Olisa skata. Hey! Fille de Sion, il y a un esprit têtu dans cette maison. Cet esprit empêche l'exaucement de vos prières. Hein? Prophétesse, ne suis-je pas en train de bien prier? Ah! Avec cet esprit, rien ne sera fait, fille de Sion. Nous devons mettre cet esprit hors de cette maison. Una sukasa, una sa. Prophétesse, prophétesse, s'il vous plaît, dites-nous ce qu'on doit faire exactement. Pour que nous puissions sortir cet esprit de cette maison, nous devons vraiment le faire. Et maintenant, s'il vous plaît, faisons-le. Udasa! Udisika! Udasa! Udisika! Udasa! Udisika! Udasika! Ude! 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 Ude kasara! Udisika! Udesa! Udasa! Udasa! Eli! Eli! Aba! 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 Udesere! Udesere! Iba! Je vais parler! Parce que je ne perds personne! Excepté celui qui m'avait envoyé. Je t'écoute. Oui. Merci, je captais le message. Ah. Je captais le message. Ah. Jésus! J'étais entendu! J'étais entendu! Musikama! Eh si! Jamais! Je t'écoute! Parle! Esprit! Esprit! Esprit, je t'écoute! Parle! Je dirai tout! Esprit! Hey! J'ai vu le démon en question. Hey. Maman, calme-toi. Mais, quoi? Quoi? Je ne sais rien. Oh. Tu es une sirène? Tu viens de la terre des esprits? Oui. Tu t'es caché. Depuis que je t'ai arrivé ici, tu t'es caché. Maintenant, mes yeux sont ouverts. Je t'ai vu. Prophétesse, êtes-vous sûre? Oui, je te vois maintenant, mauvais esprit. Tu t'es caché depuis que je t'ai arrivé dans cette maison. Esprit des eaux. Prophétesse, maman. Oui. Ngozi a toujours été dans cette maison depuis le début de notre mariage. Elle a toujours habité dans cette maison et nous n'avons jamais, jamais rien vu d'étrange avec ça. Elle ne peut pas partir juste comme ça. Elle n'a même pas de mauvais esprit en elle. Elvis, on ne remet pas en question ce que la prophétesse dit. Elle connaît mieux que toi. Prophétesse, pourquoi ne pas l'aider en chassant cet esprit? Exactement, exactement. Prophétesse, aidez-la en la délivrant. Oui. Prophétesse, s'il vous plaît. Prophétesse, délivre-moi, délivre-moi. Vas-y, non. Non, arrêtez, stoppez. Madame, je ne suis pas ici pour cette raison. Je suis ici pour ta fille. Et non pour la bonne. Peu importe. Pour m'occuper de ces cas ici présents, c'est une obange. Cela me prendra une année. Cela me prendra beaucoup de temps. Alors, laissez-la qu'elle prenne ses affaires et quitte cette maison. Laissez-la repartir dans sa famille. S'il vous plaît, Ngozi ne partira pas demain. Elle partira. Elle n'a rien fait. Elle doit partir. Elle n'ira nulle part. C'était l'esprit mauvais qui dérange. Elle n'ira nulle part. Même si elle a un mauvais esprit. Elle n'ira nulle part, maman. Elle doit partir. Elle ne partira pas de cette maison. Elle va rester ici comme elle a toujours été. Faya, 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 follow me. Faya, 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 follow me. Oh, faya, 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 follow me. Faya, 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 follow me. Bien. Soi-disant prophétesse. C'est sûr que tu prends beaucoup d'alcool avant de commencer tes histoires de prophéties. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Toi, fille des eaux, je t'interdis. C'est toi qui es une sorcière.
Regarde-moi bien, oh. Entre nous deux, qui peut vraiment être envoûté? Dis-moi vraiment, c'est qui? Écoute, laisse-moi t'avertir. Tu vois cette bêtise que tu avais commencé hier? Si tu oses encore, c'est que je vais te faire. Tu ne sauras plus jamais t'élever. Une menteuse de prophétesse. Je te chasse. Va-t'en. Fille des eaux, je te chasse. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Tu vois, toi, hein, que Dieu ait pitié de toi. Parce qu'il est miséricordieux. Oh. Sinon, toi, vraiment, tu es une sorcière. Tu n'as aucune chance ici. Arrange-toi à emballer tes affaires et sortir tes deux pieds d'ici. Avant qu'il ne soit trop tard pour toi, oh. Et même si mon Oga a besoin d'une seconde femme, ça ne serait pas toi quand même. Ouah. Ça peut être moi. Omalecha, je suis là. Tu perds ton temps. Rentre chez toi. N'importe quoi. Tu nous trompes avec tes... Bang, n'importe quoi. Tu te trompes toi-même, oh. Hey! Cette fille est une sorcière. Ellie! La servante des dieux ne peut pas manger des choses impures. Prophétesse, ça c'est les repas que nous avons l'habitude de manger ici. Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'impur là-dedans? Ngozi, c'est quel genre de viande que tu as mis dans cette soupe? Madame, c'est la viande normale que je fais la soupe. Oh. Prophétesse, ces viandes que nous mangeons du marché sont impures? Ce n'est pas la viande qui est impure. Mais plutôt, le mec qui a préparé cette viande. Automatiquement, ça rend la viande impure, sale, pour que la servante des dieux consomme. Hé, hey, Elvis, maman. Tu as vu ce que ces parias causent dans cette maison? La prophétesse ne veut plus manger dans cette maison. Qu'allons-nous faire à propos? Pourquoi? Mais la nourriture est prête. Ferme-la, comment tu parles comme une ignorante? Hein? La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Cette fille est une paria. Elle doit partir comme la prophétesse l'avait maman, dit. Maman, s'il te plaît, arrête. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Prophétesse, c'est bon, hein? Hein? Désormais, c'est moi qui va commencer à préparer pour pouvoir manger, d'accord? Tu peux enlever ces histoires de la table. Madame, dépêche-toi, fais vite. Qu'elle commence aussi à laver ses assiettes. Allez, va-t'en. N'importe quoi. J'arrive. Elvis. Prophétesse. Oh. Y a-t-il un problème? Je suis venue te voir. Me voir? Vous ne voyez pas qu'il est déjà tard et qu'il fait nuit, mais malgré ça, vous voulez me voir? Et je suis seule. Oui, je suis venue parce que tu es seule. Écoute, je... Pour faire quoi? Je sais que tu meurs d'envie. Prophétesse, ce que vous êtes en train de faire, c'est ce pourquoi vous êtes vraiment venu ici? Je vais juste t'aider pour que tu te sentes mieux. Comment voulez-vous que je puisse bien me sentir? Arrêtez ça. Je te veux. Prophétesse, sortez de ma chambre, s'il vous plaît. Arrêtez, prophétesse. Mais qu'êtes-vous en train de faire? Sortez tout de suite de ma chambre. Écoute, je vais juste t'aider, frère Elvis. Vous ne pouvez pas m'aider. Pouvez-vous juste sortir de ma chambre, s'il vous plaît, prophétesse, s'il vous plaît. Contrôlez-vous un peu, s'il vous plaît. Soyez raisonnable, je vous prie. Laisse-moi t'aider, frère Elvis. Retournez tranquillement dans votre chambre et allez dormir, ok? Quel bail? Non, mais sérieux. Quel genre de femme est ça? C'est vraiment comme ça qu'on fait son travail? Oh, Seigneur. Toi, la femme menteuse de prophétesse. Donc,
C'est cette défense que je venais faire à ma madame, hein? Tu veux quoi avec mon Ogao? Tu dois veiller sur la manière dont tu me parles. Sinon, je vais envoyer les esprits sur toi. Hey! De quel esprit parles-tu? L'esprit là que tu fais boubou là. Tu n'as aucun pouvoir, toi. On t'appelle prophétesse, mais tu n'es rien du tout comme tu l'as. Tu n'as aucun pouvoir. Tu seras bientôt dévoilée. Oh, donc tel que tu es là, hein? Tu es en train de te manquer de la prophétesse de Dieu. C'est ce qui que est tu cette fais? Prophétesse? Écoute, si réellement Dieu t'utilise et que tu as ce pouvoir-là, pourquoi ne pas prier pour que Dieu t'envoie ton propre mari? Vas-y, dis-moi non. Tu es possédée. Et je vais t'imposer le jeûne et prière de 6 jours. C'est toi-même qui es vraiment possédée, oh. C'est toi qui es possédée. Tu dois même faire 100 jours de jeûne et prière pour que tu sois délivrée. Ah ah, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu cibles seulement mon regard qui est le chef de cette maison? N'ose plus jamais, oh, je te l'interdis. N'ose plus jamais. Tu m'as entendu? Pourquoi es-tu comme ça, sorcière? Et reviens ici. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de mon patron? En quoi ça te regarde, petite fouineuse? De quoi tu te mêles, sorcière? De quoi tu te mêles? Tu n'as pas honte, oh. C'est comme ça que tu es? Hein? Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Hé, hey, écoute, laisse-moi te dire. Si ma madame refuse le mariage aujourd'hui, c'est moi que Oga va prendre. Alors écoute, n'ose plus jamais mettre tes sales yeux là sur mon Oga. Si tu ne veux pas écouter, je veux crier et on verra si c'est faux. Donc c'est ça ton problème. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Pourquoi elle est toujours très chaude comme ça? Tu as des yeux sur les maris de ta patronne. Hein? Donc tu as des idées. Ah, je vois maintenant. Tu es une fille très stupide, tu es une bonne. Mais tu as l'intention de voler le mari de ta patronne. Donc c'est ça ton plan, je vois. Parlons aussi d'abord de toi-même, non? Tu es zéro. Tu n'as pas vraiment un peu honte comme tu es là? Tu es venu ici pour la délivrance, mais tu commences à chercher autre chose. Tu peux même crier dans cette maison, oh. Tu n'as pas de cerveau. Je vais crier, on va nous écouter. Je vais crier, je dis. Écoute, madame! Tu ne l'auras pas. Bébé. Bonjour Elvis. Bonjour. Bien, ok. Bébé, bonjour. Bonjour bébé. Y a-t-il un problème? Aucun. Mais pourquoi tu as ce visage? Qu'est-ce que tu as? Bébé, écoute. Cette femme est totalement folle, chérie. Elle est folle, maman. Elle a essayé de me séduire. Quelle femme? Ta prophétesse. Quoi? Oui. Certainement tu plaisantes. Cette femme est prophétesse. Une femme très respectueuse de Dieu. Elle ne peut pas faire ça. Ai-je vraiment l'air de plaisanter? Arrête! C'est comme ça que tu parles à une ouinte de Dieu. Oh, d'accord. Tu sais quoi? Maman, je sais que tu ne me croiras pas. Je sais très bien qu'elle niera absolument tout ce que je vais te dire. Mais ce n'est pas grave. Tu le verras juste toi-même. Tu dois lui demander pardon et implorer demander la pardon. Miséricorde de Dieu. Demander pardon, pourquoi? Parce qu'elle a voulu me séduire, moi? Séduction, mon œil. Oh. Non, non, ça va, ça va, ça va. Je tiens le coup, ça va. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Ouais. Juste... Détends-toi. J'ai vu mon cul. Ok. Ok. Allez. Enlever ça. Ah oui, comme ça. Enlève-moi ça. Oui. Doucement, doucement. Oh, frère Elvis. Ouais. Quoi? Esprit! Esprit! Arrête ça! Que le Saint-Esprit est tu-même. Je te l'avais dit, maman. Je te l'avais dit. Je te l'avais bien dit. Madame. Prophétesse d'enfer. Prophétesse des démons. Prophétesse des ruines. Tu es venue nous manipuler dans cette famille. Tu oses séduire mon beau-fils.
Oh, tu es parmi nos ennemis, tu es foutu. Tes plans ne marcheront pas dans cette maison. Tu es un démon. Tu sors dans cette maison maintenant. C'est aujourd'hui que tu pars d'ici. Descends, va-t'en. Sournoise. Dehors. L'esprit t'a rejeté. Maintenant, tu commences à avoir peur. Hein? Tu t'es ici en train de faire... Hey! Hein? C'est pour ça que tes derrières allaient réussir, non? Vas-y avec tes derrières. Vas-y, fais-le. Vas-y, continue à parler comme tu le fais d'habitude. Hein? Hey! Peu importe. Je t'avais pas dit que j'allais te gagner, hein? Au moment où tout va très bien marcher, hein? Je te chercherai partout où tu seras. Même dans ton église pour te faire les comptes rendus. Oui, oh, tu as échoué. Ton plan n'a pas marché. Toi, vraiment. Maintenant, là, tu peux bien crier, personne ne va t'écouter. Peux-tu imaginer? J'ai commencé déjà à croire à ces prières. C'est parce que ta mère pensait que tu avais des esprits. Oh, tu m'as même rappelé. Peux-tu la ramener chez elle demain? Qui? Maman, bien sûr, qui encore? Pourquoi devrais-je la ramener à la maison? Elle est ta mère. C'est toi qui devrais la ramener chez elle à la maison. C'est toi qui l'avais emmenée ici, Elvis. Et tu avais signé un contrat avec elle. Alors tu dois la ramener chez elle. Vraiment? Ok. Bien, demain je ferai un petit voyage d'urgence et tout ira bien. Es-tu sérieux? Très sérieux même. Elvis. Ok, bien. Laisse-moi aller lui parler. Elle doit rentrer chez elle. Hey, et ta servante aussi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se comporte étrangement. Elle n'a pas cessé de me faire des avances, elle aussi. Sa présence commence vraiment à me déranger ici. Vire-la. Oh mon Dieu! Donc tout ça s'est passé sans que je ne sois au courant? Mon Dieu! J'ai envie de commettre meurtre. Tu sais quoi? Laisse-moi aller m'occuper d'elle. Surtout, rassure-toi de ne bien tuer personne. Sinon, tu pourras aller en prison. Merci, Jésus. Tu y es tout pour moi. Ah, madame. Y a-t-il un problème, madame? Ngozi, madame, merci pour ton service dans cette maison. Mais tu sais, j'en ai plus vraiment besoin. Alors, entre là-bas, emballe tes affaires pendant que j'apprête ton chèque. Madame, je vous en prie. Qu'est-ce que je vous ai fait, pardon? Je vous en prie. Écoute, tu n'as rien fait. Mais je n'ai plus besoin d'une bonne dans ma maison. Ok? Eh, madame, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. C'est vous qui prenez soin de moi depuis que je suis ici. Ne me chassez pas. Oh, est-ce que je vais encore aller? Mon mari se plaint à propos de ton attitude envers lui. Voilà pourquoi je n'ai plus besoin de toi dans ma maison. Va emballer tes affaires maintenant, que je ne te voie plus ici. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, ma vie est foutue. Et je veux quoi? Maman. Chloé, est-ce que ça va? Je n'ai plus un mari de nuit. Alors, merci d'essayer de m'aider. Maman, s'il te plaît, peux-tu rentrer chez toi demain? Essayes-tu de me renvoyer de ta maison? Maman, je ne suis pas en train de te chasser de ma maison. Tu as déjà fait tant de jours ici. Nous sommes un jeune couple. On a besoin de nos temps d'intimité. Ok, je m'en vais. En une seule condition de me suivre pour que nous allions voir un autre homme de Dieu demain. Oh non, maman. Je ne partirai pas quelque part avec toi. Oh! Regardez-moi cette fille. C'est moi qui te supplie maintenant pour avoir la solution à ton problème. Ne viens pas pleurer dans mes bras quand ton mari va commencer à courir derrière d'autres femmes parce que je ne t'écouterai pas. Maman, Elvis ne peut jamais me tromper. Allez voir. Il a ses dispositions.
Il a ce sang qui coule dans ses veines. Au moins, tu serais averti. Un mariage qui n'a jamais été consommé est invalide. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ton mari aura le droit de te mettre hors de cette maison et personne ne l'en empêchera. C'est vrai? Oui. Un mariage qui ne peut pas être consommé n'a pas longue vie. Lui as-tu parlé? A-t-elle accepté de partir ou pas? Elvis, peux-tu un jour me laisser pour quelqu'un d'autre? Pourquoi me demandes-tu ceci? Bébé, j'aimerais juste savoir ce que tu penses. Peux-tu un jour m'abandonner pour quelqu'un d'autre si ceci continue? Ceci va donc continuer? Elvis, toi et moi savons que cette prophétesse est fausse. On ne peut pas croire à ce qu'elle a fait sur moi. Alors nous trouverons une autre prophétesse, nous trouverons un autre pasteur ou je ne sais pas moi quoi d'autre on trouvera. N'est-ce pas? Donc tu as cru que je suis possédée? Bébé, je ne dis pas que tu es possédée. Je veux juste que tu aies un peu d'aide. Je veux juste t'aider. Ne me touche pas. Allez bébé, je te laisse, vas-y, choisis toi-même. Non, vas-y alors, apprends-moi. Ok, alors... Il y a plusieurs façons, en fait. Je vais comprendre, vas-y, explique-moi. Ok, d'accord, laisse-moi en jouer. Hein. Ok. Et... Ban... Ok, tu vois? Waouh! C'est bon! Ouais! Ok, vas-y, joue maintenant. Ok. Le feu du Saint-Esprit! Le feu du Saint-Esprit! Le feu du Saint-Esprit! Le feu du Saint-Esprit! Dans cette maison, partout! Le feu! Esprit impur! Je te chasse de ma fille! Esprit impur! Va dans les lits arides! Esprit impur! Tu n'as pas de place ici! Oui, oui! Dehors, mauvais esprit! Très bien, vous êtes là. Viens, mets-toi à genoux. Prions ensemble. Maman, arrête, tu déranges nos voisins. Bébé, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'on prie avec maman? N'entends-tu pas qu'elle dérange nos voisins? Bien sûr que non. Elle ne fait que prier. Allez, vous viens. Savez quoi? Je ne le ferai pas avec vous. Quoi? Chloé, reviens ici. Reviens ici. Toi, reviens. Reviens. Maman. Je prierai pour toi-même de maman, force. Maman, arrête. Toi, esprit mauvais dans cet enfant. Arrête, maman. Meurs. Si c'était un autre homme, ça serait une raison fondée pour lui, pour aller voir ailleurs. Oh, s'il te plaît, ne parle pas à propos. Maman m'avait dit quelque chose de similaire, mais je ne l'avais pas supporté. J'avais senti comme s'il est dans le main d'une autre femme. Ma belle, ça veut dire que tu es malade. Tu es vraiment malade. Oui, Francis. Je veux que tu m'aides. S'il te plaît. Viens. Tu veux que je t'apporte de l'aide comme une psychiatre ou juste comme ton ami? Utilise tout le moyen. Aide-moi juste. J'ai besoin de toi. Ok. Dans ce cas, n'essaye pas de me cacher un détail de ta condition. Ok. Je t'écoute. Francis. Oui. Je ne supporte pas que mon mari me touche.
je perds mes sensibilités à chaque fois qu'il me touche ou qu'il cherche à faire l'amour avec moi. Ah! Ma chère, tu as un problème. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves dans cette situation? Non, s'il te plaît, mon mari, je t'en bébé, prie. Non, bébé, s'il voyons. Te plaît, pardon. Bébé, je t'en prie, allez, viens là. Non, s'il te plaît, ne t'approche pas sérieux, de pourquoi? Moi. Mais sérieux, pourquoi? J'en ai pas besoin. Je suis ton mari, voyons. Qu'est-ce que tu racontes? Viens là. Mais quoi? Chloé, tu es sérieuse? Je vois que tu as un problème de génophobie. Souvent, c'est causé par des traumatismes qu'on a eu à voir dans le passé. Et bien souvent, c'est lié aux abus. Ma chérie, as-tu déjà été harcelée sexuellement? Non, pas du tout. Peut-être que ça a eu lieu pendant que tu étais très jeune et que tu ne t'en souviens plus. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Bien, je vais te donner quelques prescriptions thérapeutiques liées à la psychologie. Ça te donnera le contrôle sur la génophobie. Contrôle? Il n'y a pas un traitement approprié? Non, il n'y a pas de traitement particulier pour la génophobie. On ne peut que t'aider à les gérer en ayant le contrôle sur ça. Ok. Comment est-ce que je n'ai jamais été au courant de ça? Y a-t-il une possibilité que quelqu'un soit dans cet état sans qu'il ne le sache? Oui, c'est possible d'avoir la génophobie et d'en être ignorant jusqu'à ce que tu te retrouves face à un problème qui les mettra à découvert. Mais fais-moi confiance, je t'aiderai. Tu vas mieux te sentir. J'en parlerai à Elvis et tout ira bien. Oh, Francis, merci beaucoup. Je t'aime, ma belle. Je suis très contente. On est ensemble. On est là pour s'entraider, chérie. Quand j'ai rencontré Chloé pour la première fois, tout ce que je me disais d'elle, c'était... J'ai rencontré la meilleure... femme chrétienne, parfaite dans toutes ses manières. Et je suis tombé amoureux d'elle. Et après qu'on se soit marié, et qu'elle a commencé à montrer toutes ses habitudes bizarres, je pensais que c'était quelque chose à avoir avec son passé. Peut-être qu'elle avait fait des choses qu'elle ne voulait pas ce que je voie, peut-être qu'elle n'était pas exactement ce que je pensais qu'elle était. Et que c'était pour ça qu'elle m'empêchait de entrer en intimité avec elle, ou de voir ses parties intimes, ou encore, au fait, elle n'arrêtait pas de me repousser. Ça a changé quelque chose en toi? Est-ce que tu as les mêmes sentiments que tu avais avant envers elle avant de l'épouser? Non. Actuellement, je l'aime toujours comme avant. Absolument rien n'a changé. Chloé, comment te sens-tu à propos? Oh, je me sens très contente parce que j'ai toujours son soutien. S'il te plaît, viens te mettre à côté de ton homme. Cher, tu dois essayer encore une fois. C'est le seul moyen qui m'aidera à comprendre si c'est un problème médical. Francis, es-tu sûr à propos? Il n'y a pas une autre procédure? Il n'y a pas un autre moyen. C'est la seule voie qui nous aidera à déceler le problème. Alors, dis-moi, jusqu'où tu aimes ton mari?
J'aime énormément mon mari. Mes mots ne seront pas décrits combien est-ce que je l'aime. Tu l'aimes, mais tu n'arrives pas à être en intimité avec lui. Sais-tu que ton attitude peut détruire ton mariage? Oui. Mais ne pouvons-nous pas vivre sans le sexe? Le mariage ne marche pas comme ça. Je te parle comme amie. Si tu continues comme ça, ton mariage sera brisé. Je suis certaine que ta belle-mère te mènera la vie dure si elle apprend ça. Elle nous menace déjà pour voir ses petits-enfants. Tu vois? Comment veux-tu avoir de bébé sans pour autant être en intimité? Ma chérie, es-tu prête à faire face à ces combats? Une très bonne fille, ma chère Chloé. Joue au romantisme devant ton mari. Regarde-lui droit aux yeux, tout en gardant le sourire sur ton visage. Mets tes talents de femme en avant. Danse devant lui. Rapproche-toi de lui encore et encore. Applique tout ce qui est préliminaire. Essaye de les séduire par ton toucher. Fixe-lui les regards autant qu'il faut. Je prends le lubrifiant. As-tu peur? Je peux aller prendre le lubrifiant. Non, je ne peux pas faire ça. Non, non, arrête. Lâche-moi. Chloé. Non. Non. Chloé. Chloé. Lâche-moi. Je ne peux pas faire ça. Arrête. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé, Chloé? Est-ce que tu vas bien? Francis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marchera. Tu dois juste lutter pour ça. J'ai essayé. Je sens comme si je vais devenir folle. C'est tellement dur que je ne peux pas supporter. Tu dois être forte. Sois un peu plus réaliste. Tu vas le vaincre. Crois-moi, tu le vaincras. Viens, je te raccompagne à la maison. Oh non, pardon. Ne m'emmène pas là-bas, s'il te plaît. Je t'en prie, Chloé, s'il te plaît. Tu dois rentrer chez toi. Si tu ne veux pas partir, j'appellerai Elvis pour qu'il vienne te chercher. Oh, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai pas de choix. Non, je ne saurais pas, s'il te plaît. Oh, bébé. Oui, bébé. Je t'ai apporté dans le jus. Merci. Oh, maman. Tant que médecin, tu te prends pour un con. Pour bafouer mes instructions, tu as refusé d'aller voir le docteur. Tu n'étais pas allé le voir. C'est quoi ton problème? J'étais très occupée, maman. Occupée en faisant quoi? Qu'est-ce qui est si spécial à tes yeux? Qu'est-ce qui est plus important dans cette vie que d'avoir des enfants? Qu'est-ce qui est... Et toi, tu prends le jus, n'est-ce pas? Le moment viendra, tu vas commencer à prier pour ça. Regarde, écoutez-moi très bien, tous les deux. Vous devez aller voir un docteur et c'est un ordre. Je reviendrai dans 7 jours. Je reviendrai. Et je dois avoir le résultat de vos examens. Je dois savoir pourquoi vous n'arrivez pas à me donner des petits-enfants. N'importe quoi. Maman, on peut juste en parler. Bébé. Es-tu fâché contre moi? Je suis juste malheureux. Désolée pour t'avoir mis dans cet état. Tu
suis désolée. Je suis très désolée. Est-ce qu'elle a utilisé les lubrifiants comme je lui avais dit de faire? Elle ne voulait même pas que j'en parle. Je pensais que ça allait faire mal. De quel mal tu parles? Elle ne veut même pas ouvrir ses jambes. Oh. Elle ne veut même pas ouvrir ses jambes. Comment et pourquoi j'allais ouvrir mes jambes? Mais bon sang, réfléchis. Juste pour que j'essaye au moins de pénétrer. Désolée, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Elvis, tu penses que la difficulté de pénétrer ta femme vient juste du fait qu'elle n'ouvre pas assez ses jambes? Exact. Parce qu'elle ne veut même pas ouvrir ses jambes. Elle, c'est genre, elle n'arrête pas de les croiser, vous voyez. Elle ne veut même pas me laisser essayer d'entrer. Peut-être que tu n'es pas assez doux. Ah. Il faut y aller doucement. Si en frottant, ça paraît pénible, vous n'avez qu'à changer de position. Frotter. Frotter. Je pense que c'est après qu'on ait essayé de pénétrer qu'on peut après se frotter. Je n'ai même pas encore pénétré. Oh. Et là, vous me parlez de frotter. Comment vais-je pouvoir frotter? Chloé, tu dois apprendre à communiquer avec ton homme, Oli. Il faut lui faire part de tout ce que tu ressens. Je ne peux pas. Je pense qu'on doit divorcer. Oh! Waouh! Tu penses qu'on devrait divorcer? Tu l'as entendu, ok? Tu l'as entendu? Qu'on devrait divorcer. Donc je n'ai pas cessé de perdre mon temps tout seul. Je suis désolée, mais ta mère cherche un petit-fils. Je ne te permets pas de le faire sur moi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment si ce n'est que le divorce? Reste calme. Ferme ta bouche. Ne te laisse pas faire par des pressions que ta belle-mère t'a fait. Permets-moi de t'aider, Chloé. J'en ai marre. J'en ai marre. Même si tu en as marre, ce n'est pas du tout une option. Si tu divorces d'Elvis maintenant, ne vas-tu plus te marier? Vous savez quoi? Je crois que je vais aller me changer et aller ailleurs en tout cas. Elvis, s'il te plaît, Chloé, demande pardon à ton mari. Il est voué à son propre sort. Il se sent seul et l'âme méchante dans cette histoire, c'est toi. Je suis désolée. Désolée, Elvis. Chloé, nous allons le reprendre. Tu l'as encore essayé pour la énième fois. Cette fois-ci, essaye d'être douce, de sorte qu'il te pénètre et là on saura si c'est un problème médical ou c'est juste un problème psychologique. Elvis, sois assez doux. Applique les lubrifiants. Je vous suggérerai d'avoir plus de lubrifiants qui sont vendus au marché. Ça vous sera très utile. Il y en a, je n'ai même pas encore utilisé le premier. Donc, il est encore neuf. Bon, je vais aller me préparer. J'en parle avec elle. D'accord. Chloé. Chloé, s'il te plaît. Tu dois lutter pour ton mariage. Ouvre le jeu. Elvis est un bon homme. Ne le pousse pas à faire des bêtises, s'il te plaît. Oublie le fait que je suis ton médecin. Je suis ta meilleure amie. Je comprends que c'est très dur pour toi. S'il te plaît, essaie de faire marcher les choses. Je sais ce qui est bon pour toi. Hein? Tu dois supporter la douleur. Endure. Permets-les de te pénétrer, s'il te plaît. Hein? Je souhaite que tu me comprennes. Ça fait très mal. Je le sais très bien et je te comprends. Mais il y a toujours une première fois. Je te supplie, mon ami. Tu sais combien je t'aime. Initie quelque chose de nouveau, s'il te plaît. Je t'ai pris pardon. Promets-moi que tu feras ton mieux. Promets-moi, s'il te plaît. Bébé. Mon amour. Comment vas-tu? Oui, ça va. Ah, l'amour de ma vie. Cette Vas-y. Motivation de me servir à boire. Je crois que je suis en sécurité. Oh. Mais bien sûr que oui, bébé. Où est le mal si je me dis de te donner un verre de vin? Tu sais que tu es ma seule occupation. Je ne te fais pas confiance. Oh. Et pourquoi ça? Allez, arrête ça, chérie. Tu sais que tu es mon sucre. Le seul thé de mon précieux sucre. Mon bonheur. Mon tout précieux miel. Allez, arrête. C'est toi la douceur arrête de ma vie. Arrête de jouer au corbeau. Amuse-toi bien, bébé. Oui, vas-y, bois.
Amuse-toi. Ah ah. Amuse-toi, amuse-toi. Bonjour. Bébé. Je n'en reviens pas, chérie. Je n'en reviens pas. Mon bébé. Tout ce que j'ai eu à t'envoyer avec toutes les histoires de ce monde. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que sans toi, ma vie est incomplète. Je te demande, s'il te plaît, d'être ma femme. Je vais te crier. Je ne vais pas crier, bébé. Oui, oui, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Ah! Ah! Je t'aime aussi. Merci, bébé. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.